Le Vodun, souvent mal compris en dehors de l'Afrique de l'Ouest, est une religion complexe avec des millions d'adeptes principalement au Bénin, au Togo et au Ghana. Le Vodun vénère un panthéon de divinités, chacune associée à des éléments naturels et des aspects de la vie quotidienne. Les rituels durant la fête peuvent varier d'une région à l'autre. Les participants offrent de la nourriture, des boissons et d'autres objets aux divinités pour obtenir des bénédictions. La danse est une partie essentielle des célébrations, souvent accompagnée de tambours et de chants traditionnels. Chaque danse a une signification particulière et est exécutée pour honorer les esprits. Les prêtres et prêtresses peuvent entrer en transe et être possédés par les esprits, un moment de grande importance et de vénération pour les participants. Dans certains rituels, des animaux sont sacrifiés pour apaiser les divinités et obtenir leur faveur. Connu pour son histoire liée à la traite des esclaves, Ouida est un lieu central pour la fête. La route des esclaves et la porte du non-retour sont des sites emblématiques où des cérémonies importantes ont lieu. D'autres villes comme Cotonou et Abomey participent également activement aux célébrations avec leurs propres rituels et cérémonies. Implication des autorités, le gouvernement béninois reconnaît officiellement la fête des Vodun, et elle fait partie intégrante du patrimoine culturel national. Cette reconnaissance officielle a aidé à préserver et promouvoir les traditions Vodun face à l'influence croissante des religions abrahamiques. Il permet de préserver les traditions, en transmettant les connaissances et les pratiques de génération en génération. De nombreux touristes affluent au Bénin pour assister aux célébrations, contribuant ainsi à l'économie locale en valorisant une part essentielle de l'héritage culturel béninois. En somme, la fête du Vodun est une manifestation vibrante de la spiritualité et de la culture béninoise, marquant un moment de rassemblement et de célébration pour les pratiquants du Vodun ainsi que pour les curieux et les passionnés de culture du monde entier. S'abonner, partager et commenter nos vidéos donnera plus de visibilité à notre chaîne Sweet Bénin. Mais aussi nous permettra d'améliorer la qualité de nos contenus.
Le festival des Vodins, ou Voodoo, au Bénin, appelé aussi « Fête nationale des religions endogènes », se déroule chaque année le 10 janvier. Cette célébration est particulièrement importante pour les pratiquants du Vodin, une religion traditionnelle ouest-africaine avec des racines profondes au Bénin. Pendant cette journée, diverses cérémonies et rituels sont organisés pour honorer les esprits et les divinités du Vodin. Les festivités incluent des danses, des chants, des offrandes et des rituels de purification. Les participants, souvent vêtus de costumes traditionnels colorés, se réunissent dans des lieux sacrés tels que les temples Vodin et les plages. Ouida, une ville côtière du Bénin, est l'un des centres principaux de cette célébration. La Porte du Non-Retour, un monument en hommage aux victimes de la traite des esclaves, est également un lieu symbolique où de nombreux rituels sont effectués. Le festival attire non seulement les locaux, mais aussi de nombreux visiteurs internationaux intéressés par la culture et les traditions Vodin. C'est une occasion de découvrir la richesse culturelle et spirituelle du Bénin, ainsi que de témoigner de la vitalité des traditions ancestrales. Oh,